Bonjour à tous, en ces temps de confinement, je vous propose une petite vidéo pour regarder comment j'ai équipé mon kayak de chez Native Watercraft, le Slayer 13. Donc on va regarder ça ensemble, comment j'ai disposé un peu tous les ustensiles qui sont à notre disposition pour pouvoir aménager un kayak de façon optimale et confortable. Du coup, pour cette petite review, on va commencer par la proue du kayak. Ici j'ai ma trappe avant qui me sert à mettre des bouteilles de flotte, de la bouffe ou autre. Mon épuisette qui est toujours posée à l'avant de mon kayak, quasiment complètement dépliée. Petite chose importante à propos de tout ce qui est électronique également sur le kayak. Vous pouvez voir qu'ici, au niveau de ma trappe, j'ai une petite soute en fait. Et dans cette soute, il y a une batterie de chez LBS, de mémoire elle doit faire 18 ampères, ça me permet d'alimenter mon écho en 7 pouces pendant quasiment 24 heures. Donc ça me permet de faire 2 jours sur l'eau où l'écho reste quasiment 12 heures allumé, donc c'est quand même ultra efficace. Le système de propulsion, donc marche avant, marche arrière. Il y a un petit kit de centrage d'hélice également. Voilà, c'est bien pratique quand on a besoin de remonter le système de propulsion sans se galérer. Voilà, l'hélice elle vient frapper automatiquement sur cette petite pièce là et on est tranquille pour remonter le système de propulsion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les systèmes de propulsion de chez Native Watercraft, c'est simplement un pédalier, voilà, marche avant, marche arrière. Et pour information, pour un tour de pédale vous faites 10 tours d'hélice. Donc on arrive même avec un kayak équipé de cette, avec tout ce que vous voyez dessus, plus le poids du bonhomme, on arrive à atteindre des vitesses entre 5 et 7 km/h, ce qui est quand même très correct. Et du coup, le système de propulsion, il se descend par cette trappe ici. Voilà. Qu'on vient refermer par la suite. Et voilà, le système de propulsion est en place. Et du coup, pour le remonter, le petit kit de centrage d'hélice ici qui me permet. Voilà, je peux plus tourner mon pédalier, mon hélice est bloqué. J'ai juste à le remonter et il est prêt. Hop. Donc, sur le pont ici vous pouvez voir, donc j'ai mon électronique qui est bien entendu accessible, qui gêne pas du tout quand je pédale. Donc pour information, c'est des kits, des rotules de chez Railblaza. Voilà, ça me permet d'orienter mon électronique comme je le souhaite, tout simplement. Et puis c'est modulable, je peux le déplacer, par exemple en pêche verticale ou en pêche du silure l'été, je le monte sur le système qui est juste ici. Sur mon propel, ça me permet d'avoir en permanence mon écran en face de moi. Hop, un petit peu de rangement. Ici, une petite pochette, c'est pratique parce que ça me permet de garder tous mes attractants à proximité, à portée de main. Donc, quand je pêche la perche, j'en mets très régulièrement. Donc, c'est toujours à proximité. Ensuite le siège, donc le siège réglable hein, automatiquement, voilà, vous pouvez avancer, adapter le kayak à votre morphologie. Donc c'est valable chez tous les kayaks de la marque de chez Native Watercraft. Maintenant les tout derniers modèles, comme je vais bientôt en avoir un, c'est monté sur une plateforme sur le kayak et vous pouvez également régler votre siège en hauteur. Hop. Donc vous voyez, petit siège bien confortable. Vous n'avez pas chaud non plus l'été, la mousse à l'intérieur, toute la mousse est aérée. Voilà. Je reviendrai juste après sur le gilet de sauvetage. Sous ce siège-là, on peut aisément ranger du matériel supplémentaire, donc des boîtes de leurre. Moi, j'utilise ce genre de pochette-là pour ranger tous mes gros souples. Ici, le système de direction. Alors, c'est pas le système de direction d'origine. J'ai équipé... un système
qui a été qui est fabriqué par Mes Idées 3D. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Ça me donne un angle de braquage beaucoup plus important en fait avec le kayak. Ça tourne vraiment dans un mouchoir de poche et il y a cette petite pièce ici. Hop. Qui me permet de verrouiller un cap par exemple. Hop. Ensuite, la fixation de la pagaie, parce que même si on a un système de propulsion, ne serait-ce que en cas de casse où on ne sait pas ce qui peut se passer sur l'eau. Ensuite, la petite cordelette que vous avez là, elle me sert à attacher mon ancre flottante. Voilà, vu que je pêche régulièrement debout en faisant des dérives le plus naturel possible. Donc j'accroche le mousqueton de mon ancre flottante ici et en pivotant, en tirant là-dessus, ça me permet de régler l'axe de mon kayak par rapport à ma dérive. Voilà. Donc si je veux pêcher plus ou moins perpendiculairement par rapport au vent, voilà, j'ai quelque chose de... C'est facile à faire, ça prend 2 minutes. C'est vraiment juste des petits clips en plastique et puis vous faites votre petite ligne avec l'anneau et puis c'est bon. On aime bien avoir des petites vidéos sympas de nos poissons. Donc j'ai ce boomstick de chez Ray Blaza là. Voilà, avec une tête orientable sur le dessus. Donc ça me permet d'avoir ma GoPro, soit de filmer en permanence quand je veux me prendre en photo seul. Soit je me tourne et la GoPro filme, soit je le déplace sur le petit port que je vous ai montré tout à l'heure à l'avant du kayak qui est sur le propel. Ensuite, hop, petite trappe étanche. Bon, je m'en sers vraiment pas de celle-là pour le coup, mais en général c'est là où on peut mettre les clés de bagnole ou autre. Voilà. Ensuite, être vu sur l'eau. C'est important, voilà. Donc j'ai mon petit fanion qui m'accompagne quasiment tout le temps. Voilà. L'été, il y a quand même pas mal de navigation sur les grands lacs que je pêche, donc ça me permet d'être un peu plus visible, même si bon, des fois, ça passe relativement proche. Et du coup, c'est pour ça que je reviens au gilet de sauvetage. Pour ça que j'ai un gilet de sauvetage vraiment voyant aussi. Donc là, c'est un gilet, c'est un C-Vest de la marque NRS. Il existe dans leur gamme des gilets qui sont vraiment spécifiques à la pêche, les Chinook, mais je trouvais ça un peu trop gros en fait. Il y avait trop de pochettes, c'était un peu ça faisait un peu usine à gaz, alors que là je peux mettre mon téléphone, j'ai un couteau avec un kit de soins en permanence sur moi, et puis là les pochettes me permettent de mettre un paquet de mouchoirs ou quoi. Voilà. Donc des super gilets avec des petits réglages de partout et puis ce coussin qui vient vraiment se positionner hop, je vous fais voir au-dessus du siège, donc ça gêne absolument pas en action de pêche. Et c'est des gilets qui ça respire pas mal et franchement c'est super confortable même l'été avec les températures qu'on peut avoir. Hop, ensuite on passe. Le système de support de canne, donc pareil, toujours de chez Ray Blaza, avec un support qui me permet de mettre trois supports de canne les uns à côté des autres. Ça me permet de changer de canne assez rapidement, ça me gêne pas quand je lance. Le seul petit inconvénient, c'est que les talons, il arrive que les talons trempent dans l'eau, donc là je vais régler le problème en augmentant tout simplement la hauteur de la fixation ici. Voilà, je vais simplement en rehausser et puis j'aurai quelque chose qui frottera plus du tout dans l'eau. Hop. Ensuite, ouais, même sur la caisse que vous voyez là, il y a des supports de canne, bon, je les utilise pas du tout pour le coup. Pour revenir au système de direction de Mes Idées 3D, donc il fait pas que la platine de direction avant. Il fait aussi justement cette pièce aussi qui permet de remplacer la pièce d'origine. À la base c'est un câble en fait et avec le temps il a tendance à céder. Donc là c'est de la cordelette et donc j'ai pas encore testé en conditions de navigation réelles, mais c'est quand même super bien fait et ça semble très très efficace.
Donc voilà, pareil, le safran, c'est pas du tout le safran d'origine. Voilà, j'avais équipé ça d'un safran de chez Berlay Pro, voilà, qui me permet de braquer tout simplement encore plus facilement. Voilà, donc il se déplie, il se replie et il y a un petit clip à remettre. Et puis ça évite également de le casser si vous frottez le sable ou quoi que ce soit. Donc on passe de l'autre côté. Je reviendrai là-dessus après. Donc la caisse de transport de chez Flambeau. Ouais, c'est ça. C'est celle-là. Caisse de chez Flambeau. Bon, je m'étais posé la question si c'était valable d'avoir un truc étanche. Et pas vraiment en fait, vu qu'à chaque fois je remballe et je déballe mon matériel de pêche. Donc sur le dessus de cette boîte, on va retrouver tous les nylons, toutes les petites boîtes avec du petit matériel, les plombs drop shot. Voilà, tout est à dispo ici. Il y a également un outil ou deux. Voilà, on sait jamais. Et du coup, en dessous, voilà le rangement avec toutes mes boîtes. Donc des souples, des leurres dures, là c'est les boîtes pour la perche. Encore de la boue pour la perche. Enfin voilà, il y a largement assez de place pour ranger le matériel pour un ou plusieurs pêcheurs sans aucun souci. Et du coup, toujours, j'ai équipé sur cette boîte là deux rangements en fait de chez Rail Blaza, toujours qui me permettent de ranger ma pince, mes ciseaux et de garder en fait tout le pont, tout l'endroit où je mets mes pieds complètement libre. Donc voilà, ça me permet d'accrocher mes leurres, les leurres qui me servent le plus souvent en fait. Alors, ils sont accrochés en permanence et ça me permet d'y avoir accès beaucoup plus facilement sans avoir forcément à ouvrir, fermer la boîte. Ensuite, un autre support de canne. Alors celui-là, je m'en sers. En fait, c'est un support latéral qui me sert principalement quand je pêche à la mouche sur les lacs, à ranger mes cannes à mouche de côté. Voilà, donc c'est Berlay Pro qui fait ça. C'est pas du matos qui est donné, et c'est pas. Mais du coup, c'est bien pratique pour pouvoir ranger les cannes de côté, pour éviter qu'elles traînent en hauteur. Voilà. Donc il y a ce support-là qui sert à fixer le talon des cannes. Ici, ça permet de guider également, et le rangement des sillons se fait là-dedans. Voilà, donc c'est bien pratique, ça bousille pas les cannes, donc c'est bon produit. Le support de sonde, donc de toute façon toujours Rail Blaza, malheureusement il y a peu de marques qui sont capables de proposer ce genre de produit. Un bras réglable voilà, qui me permet d'avoir ma fixation. En général je mets la fixation à cette distance là pour toutes les perches en verticale. Ça me permet de voir quasiment en permanence mon leurre, même si c'est pas forcément nécessaire, mais c'est très certainement la meilleure des positions pour le coup, pour mettre le support de sonde sur les kayaks, en tout cas sur le Slayer 13. Petite bidouille également pour l'épuisette, pour éviter d'avoir que je la perde ou qu'elle tombe ou quoi que ce soit. Voilà, c'est les fixations aimantées d'épuisette comme on peut en avoir pour la truite. Un support de chez Rail Blaza. Et ça vient également d'un support Rail Blaza qui est normalement c'est une plateforme qui vous permet de mettre une caméra ou ce que vous voulez. Pour le coup je l'ai démonté et je m'en sers, j'ai passé un riselant à l'intérieur. Et puis du coup hop, j'ai mon épuisette qui est en permanence accessible ici. Et du coup on est revenu sur l'avant. Pour éviter pareil de voir des câbles qui traînent partout, j'avais vu cette petite astuce sur internet, Facebook ou je sais plus quoi, où le gars avait utilisé un support une housse de rangement pour les cannes à pêche. Donc du coup j'ai passé tous mes câbles à l'intérieur. Ce petit système là en fait, c'est que les boucles plastiques, c'est un kayak qui date de celui-là de 2014 ou 2000, c'est un modèle 2015 je crois, je sais plus, il me semble que c'est 2015, et les boucles en plastique avec le temps, avec le soleil, ils ont tendance à péter. J'avais déjà eu le cas sur mon ancien kayak, du coup j'ai de suite remplacé par de la paracorde et ça bouge pas d'un pet, hein. Voilà, au moins le problème est réglé. De toute façon j'ai toujours de la paracorde sur moi, ça permet de réparer tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est des petites modifications qui viennent
au fur et à mesure du temps. Donc voilà pour la petite description du kayak Slayer 13 de chez Native Watercraft. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander. Et si vraiment vous voulez en acheter un ou même voir les autres kayaks de la gamme, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Kayak Armor. Voilà, vous avez toute la gamme de chez Native, plus petit kayak, même vraiment beaucoup plus gros kayak. Vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Également, ils disposent également de tous les équipements, hein. Le rangement, du matériel Rail Blaza, il a des échos. Hein, vraiment, faites un tour sur son site si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur les kayaks Native Watercraft.